Véritable Altesse Sérénissime, l'invité de ce soir n'est pas seulement un prince pur sang, c'est également une véritable encyclopédie en effet. Il a produit près de 60 ouvrages en 40 années de production littéraire. Il est également reconnu pour son franc-parler et la critique semble être son exercice favori. Il est un être pluridisciplinaire, il se sent autant à l'aise en français, en anglais, en allemand qu'en douala, sa langue vernaculaire, et il dispense des enseignements à travers le monde. Il a choisi ce soir de venir sur ce plateau pour dire lui aussi sa part de vérité. Et comme tous les dimanches, il sera encouragé en cela par deux confrères qui ont le mérite de connaître d'abord le terrain, d'être jeunes et également de connaître très bien le personnage que nous recevons ce soir. Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'être sur Canal International et bienvenue à cette nouvelle édition de l'Arène. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans le temple de la reine, et particulièrement le prince. Selon lui, la modernité doit s'inscrire dans la tradition. Prince de sang, dont les ancêtres régnaient sur le royaume Belébélé à Douala, c'est tout naturellement qu'il a implanté sa fondation Afrique Avenir au cœur de son ancien fief Bonaberry. Prince Koumandoumbe III, écrivain engagé, ses livres traitent de l'histoire africaine, mais sont pourtant difficilement trouvables au Cameroun, son pays natal. Sa lignée princière lui impose certaines responsabilités auxquelles il ne veut pas se dérober. Après 10 ans passés à l'étranger où il fait ses études, Prince Koumandoumbe III décide de s'investir dans la renaissance de son pays. Docteur en études germaniques et histoire, major de promotion, l'homme obtient facilement la sortie de la fac. En 1970, il est professeur à l'université de Berlin. Mais la fondation a besoin de lui et décide alors de revenir au pays, où il est professeur à l'université de Yaoundé. De là, il attire la curiosité des hommes des médias. Il a une carrière tumultueuse et ce soir, il entend tout dévoiler sur sa vision du continent noir. Face à lui, un acteur devenu incontournable de la reine. Lui, c'est Stéphane Tchakam, journaliste au quotidien Le Jour. Il est d'ailleurs grand reporter depuis juin 2009. Inutile de rappeler que le très cher Stéphane Tchakam a déjà un parcours assez long. C'est en 1999 qu'il intègre le journal Mutation. Plus tard, Cameroun Tribune lui déroule le tapis rouge. Chef de service de la communication à la Sopecam, il fait son entrée plus tard à Ici les gens du Cameroun et enfin Journal International de Total Cameroun. Le jeune homme ne passera pas sans trace puisqu'il monopolise depuis 2 ans le prix du meilleur reportage aux Mediation Press Awards en 2008 et en 2009. Bravo champion! À côté de lui, quelqu'un de très fréquent sur les ondes de Canal 2 International, de quoi former une équipe très solide avec Stéphane Tchakam pour affronter le redoutable Prince Koumandoumbe III. Blando, Tchatchoua, à 1001 reprises, on le croirait timide, au premier regard bien sûr. Que non, l'étoile montante de la station régionale CRTV Littoral est coutumier de ce type de rencontre. Pour lui, aucun adversaire n'est beaucoup trop grand. En service Odès, culture, sport, société et loisirs, à la chaîne de proximité Suelaba FM, la tripartite, le programme de débat quotidien qu'il anime, est en moins de 2 mois rentré dans les habitudes d'écoute des auditeurs de Douala et de la région du littoral. Inscrit en thèse de doctorat en sciences de l'information et de la communication à l'université de Douala depuis 2 ans, il compte bien soutenir sur les jeux vidéo l'année prochaine. Entre-temps, il enseigne des cours de droit à l'université de Douala. Ce passionné de la lecture, de voyage, grand romantique et amoureux des jeux de lettres, compte bien utiliser les armes de la littérature pour vaincre notre invité de ce soir. Voilà les protagonistes présentés, que la partie commence. Merci à Cathy Toulou. La partie va donc effectivement commencer. Prince Koumandoumbe III, bonsoir. Bonsoir, Romain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais je viens volontiers quand c'est nécessaire pour le peuple. Alors, j'étais presque convaincu que vous viendriez habillé comme ça et il ne me souvient pas vous avoir jamais vu habillé autrement. Pourquoi? C'est une tenue princière. Non, par exemple, je ne vous ai jamais vu en costume cravate. Si, je suis aussi parfois en costume cravate quand je suis en Europe ou quand, souvent même à l'université de Yaoundé. Parfois même quand je suis à l'église, je suis en costume cravate. Non, moi je n'ai pas d'a priori, mais c'est ma tenue normale. C'est votre tenue normale. Voilà. Une tenue de prince. Mais vous êtes né prince, vous allez le faire comment? Alors, est-ce que la présentation faite de vous par ma collègue vous satisfait? Est-ce que vous vous retrouvez dans cette présentation-là?
Vous savez, quand on m'a invité, moi je ne savais même pas comment cette émission-là se déroule. Je sais pas. Bon, je m'attends à tout. Bon, cette présentation, elle m'a beaucoup flatté. Oui. C'était le but. Ah, c'était le but. Hein. Oui. Bon, mais j'attends. Il semble que c'est un combat, là. Rassurez-vous, dans quelques instants, je vous présente les collègues qui m'accompagnent, les confrères qui m'accompagnent. Juste le temps de vous poser la traditionnelle question que nous posons à tous ceux qui nous font l'honneur de venir sur ce plateau. Est-ce que vous avez des choses à cacher? Est-ce qu'il y a des sujets que vous n'aimeriez pas que nous abordions ce soir? Vraiment, je crois que j'ai toujours essayé de dire haut et fort, parfois même des choses qu'on ne devait pas dire. Voilà. Donc je ne pense pas que ce soir, je vais faire une exception. Voilà. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Face à vous ce soir, Stéphane Tchakan, bonsoir. Bonsoir, Paul Mahien. C'est un plaisir renouvelé de vous avoir encore sur ce plateau. Mais c'est surtout un plaisir pour moi. Surtout qu'aujourd'hui, nous avons un personnage de l'envergure du professeur Kouman Doumbé III. Et pour moi, c'était l'occasion de lui faire dire des choses qui seraient bon que le public, le peuple de chez nous, entendre. Il me semble que voilà de trop longues années que le professeur écrit et dit des choses que les gens de chez nous, que le peuple de chez nous n'a toujours pas eu la chance d'entendre. Et armé comme vous êtes, je suis sûr que vous y parviendrez ce soir. Plus besoin de préciser que vous êtes grand reporter au quotidien Le Jour et tout le reste. Je pense que les téléspectateurs ont déjà eu l'occasion de savoir effectivement de connaître le brillant journaliste que vous êtes. Le journaliste, oui, le brillant, je sais pas. Blando Tchatchoua, bonsoir. Bonsoir Paul, bonsoir au prince Kouman Doumbé III, bonsoir aux téléspectateurs du canal de l'International. Cathy Toulou le disait, vous faites pratiquement déjà partie des meubles. Ah oui, on s'habitue déjà à ce plateau qu'on aime bien, d'autant plus que j'ai toujours eu la chance de discuter avec des éminences grises, comme celles que nous avons ce soir. Donc ça me fait plaisir, ça m'honore. De poser des questions à des professeurs de rang magistral. Tout le plaisir est le mien. Vous aspirez à devenir un enseignant de rang magistral? On rêve. Hein, c'est tout le mal. C'est tout le mal que je vous souhaite. Juste un petit correctif dans la présentation qui a été faite. Vous dispensez des enseignements de communication. Oui, pas de droit. Oui. Voilà. Merci à vous également d'être venu sur ce plateau, madame, messieurs. Les civilités étant faites, nous allons rentrer de plein pied dans le débat de ce soir avec la première rubrique, Tous contre un. On se retrouve dans quelques secondes. Prince Kouman Doumbé, le privilège est le mien dans cette émission de poser toujours la première question. Quel est le problème que vous avez avec votre prénom Alexandre? Bon, Kalambola Bousso, Amboa, Msangoumbé na Mion, Msangoumbé na Motote. Il fallait d'abord quand même que je dise donne la paix à notre peuple. Voilà. Avec mon prénom Alexandre, ça c'est intéressant. Bon, mon prénom c'est le Dinala Mukala. C'est le nom du blanc. Je ne suis pas un blanc. Je suis un noir. Dinala Mnakuman Doumbé. Nyakuman Bababele Badouo. C'est ça mon nom. Le problème, c'est que je n'ai jamais entendu qu'un Européen s'appelle Kouman Doumbé. Mais les Africains s'appellent Géraldine, Christian. C'est quoi ça? C'est très dangereux. Très dangereux lorsqu'on vous enlève votre identité pour vous donner une autre identité. Mais à vous entendre, partir de là où vous êtes, de ce que vous êtes en train de dire, pour en arriver à dire que vous êtes xénophobe ou raciste, il n'y a qu'un pas à franchir. Comment, hein. Raciste, comment? Je vais vous dire, j'étais à Munich, parce que moi j'ai fait mes études secondaires à Munich. J'avais un ami, vraiment un ami allemand, on s'aimait beaucoup. Et quand son enfant est né, il a voulu donner mon nom à son enfant. Koum Undoumbé. Il l'a fait, il l'a écrit. Quand c'est arrivé à la mairie, on lui a dit, ça c'est quoi ça? À Munich. On lui a dit, va dans le département d'ethnologie pour qu'on dise que ça c'est un nom qu'on peut donner à un être humain. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai dit que mon prénom Alexandre Zéro, c'est fini. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas des Européens qui portent les noms des Africains? Non, mais si, y en a... Et c'est les Africains qui portent les noms des autres. Quand on t'enlève ton nom pour te donner le nom de quelqu'un d'autre, c'est très grave.
Mais Prince Koumandouvetoua, il y a bien, on a des exemples, hein, comme Nana Mouskouri, il y a bien Nana devant son nom. Nana, ça ne vient pas d'ici. Si, son père a été au Cameroun, Nana Mouskouri. Oui. C'est un exemple, mais peut-être également que le fait de donner un prénom occidental à un Camerounais, c'est le reflet de cet héritage colonial. Est-ce que ça ne fait pas partie enfin, de notre culture? Mais moi, culture? Je ne me définis pas par rapport à la colonisation. C'est comme on dit que le Cameroun est bilingue. Ça, c'est le problème des gens qui disent ça. Le Cameroun est multilingue. Quand vous vous définissez, c'est par rapport à la colonisation. Que anglais, bon, vous parlez anglais, vous parlez français. Vous avez dit, moi, j'ai bien d'abord salué mon peuple. Vous avez entendu ça? C'est très grave quand on vous enlève votre personnalité pour vous donner la personnalité de quelqu'un d'autre. À ce moment-là, on vous maîtrise et on vous gère. Et c'est ça le problème des Africains aujourd'hui. Donc, moi, j'honore mes parents qui m'ont donné le nom d'Alexandre. C'était par rapport à... vous savez, c'est un nom qui est connu dans la famille, le prince Alexandre Wangabel, tout ça. Bon, c'est un nom qui est connu, mais je vous ai dit, pour le jour où j'ai commencé à dire que moi, je ne vais plus utiliser. Si mon ami Kugler à Munich avait pu donner mon nom à son enfant et on met ça dans son état civil, je ne pense pas que j'aurais eu cette réaction. Mais vous semblez vous opposer à l'Occident ou à l'occidentalisation, pourtant vous dispensez des enseignements en français, en anglais et en allemand. Pourquoi quand vous allez dans les universités occidentales, vous n'imposez pas de dispenser les savoirs dans votre langue vernaculaire? Mais je n'ai pas besoin d'aller enseigner le Douala à Lyon. Pourquoi? Mon problème, c'est que quand je suis à la télévision à Douala, mais posez-moi les questions en Douala. Mon problème, c'est que quand j'enseigne à l'université à Douala, il faut qu'on enseigne en Douala. C'est ça le problème. Quand je suis... Vous enseignez à Yaoundé 1, par exemple. Pourquoi vous n'avez jamais enseigné en Douala? Mais parce que le système ne me permet pas de le faire. Et il faut changer ce système. C'est urgent. Quand j'enseigne à Lyon, j'enseigne en français. J'ai enseigné à Lyon pendant longtemps avant de venir enseigner à Yaoundé 1. Quand je vais chez leurs voisins, les Allemands, à Berlin, quand j'enseigne là-bas, quand j'enseigne les sciences politiques à Berlin, est-ce que j'enseigne ça en français? Est-ce que j'enseigne ça en Douala? J'enseigne ça en allemand, dans leur langue. Quand on t'enlève ta langue, c'est qu'on t'a enlevé ton âme. Et quand on t'a enlevé ton âme, c'est que tu es fini. On t'a fini. Mais je ne dis, ça, comprenez-moi bien, je ne dis pas que je suis contre les autres langues, non. Mais sois d'abord toi-même. Maîtrise d'abord qui tu es. Honore tes ancêtres qui t'ont accueilli sur cette terre. Bon, le reste, après, tu peux maintenant t'épanouir. Je m'épanouis, j'écris des livres en allemand, non? J'ai écrit 13 livres en langue allemande. J'ai écrit plus de 30 livres en langue française. Je suis à l'aise, mais je maîtrise bien mon Douala natal. C'est de ça qu'il s'agit. Professeur, est-ce que vous essayez de dire que le développement chez nous, le développement pour lequel nous courons depuis tant d'années, voit à l'échec parce que justement, notre développement, nous le menons avec la langue, la culture, les habitudes de ce n'est pas seulement la langue. De toute façon, c'est voué à l'échec. Et je le dis avec fermeté. Tout ce que les Africains ont fait là, c'est voué à l'échec. Tant que nous n'avons pas récupéré nous-mêmes, tant que nous ne sommes pas nous-mêmes, tant que nous ne maîtrisons pas notre pensée. Toi, tu veux faire avec la pensée des autres. Il a conçu sa pensée pour te maîtriser. Et toi, tu es là-dedans. Les diplômes qu'on donne là, vous croyez que ça a une valeur? Je suis professeur d'université de rang magistral. J'enseigne, comme vous avez dit, dans toutes ces universités du monde. Mais je pleure quand je vois c'est-à-dire, quand on donne les diplômes à nos enfants, je leur dis que vous êtes des diplômés, c'est vrai, mais des diplômés illettrés. Vous pleurez également pour vos diplômes? Pardon? Vous pleurez également pour vos diplômes? Les miens? Oui. Moi, je vous dis que mon premier livre que j'ai écrit, c'était en langue douala, hein? Ce n'était pas en allemand. Oui. Mais je ne pleure pas. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que on ne peut pas dépenser tant d'argent comme dans nos pays. C'est-à-dire pour l'école primaire, le secondaire, etc. Et l'essentiel du savoir qu'on transmet est un savoir que les autres ont conçu pour vous. C'est très dangereux. Mais presque, Mandoumbé, justement, moi je reviens sur je continue sur la même lancée que Blando. Vous êtes formé dans le même moule. Vous avez été formé, vous faites votre cycle, vous commencez votre cycle primaire au Cameroun en langue française. Vous arrivez en Allemagne à l'âge de 13 ans. Vous faites tout votre lycée là-bas, tout votre supérieur, tout votre secondaire. Non. J'ai fait juste mon lycée. Je suis allé à l'âge de 15 ans à Munich. Oui. J'ai fait mon lycée, c'est-à-dire mon bac. J'ai un bac allemand. Mais après, je suis allé en France pour faire les études.
J'ai fait toutes mes études supérieures en France. Bon, mais... Dans ce moule-là que vous êtes formé. Absolument. Et c'est dans ce moule que les jeunes d'aujourd'hui continuent de se former. Je ne vois pas très bien où est le problème. Le problème, c'est que moi, peut-être que j'ai une chance. Avant l'âge de 15 ans, j'avais déjà ma formation fondamentale. Chez moi, ici à Douala, à Bounabé. Je suis né prince et on m'a formé. Avant de partir, j'étais déjà formé. Ce n'est pas à l'école officielle là que on m'a donné ce qu'on devait me donner. Ce n'est pas à l'école officielle. Oui, mais c'est normal, vous étiez prince, vous étiez... Oui, pour mais... Professeur, quand vous, tout à l'heure, vous avez dit, malgré nos diplômes, nous sommes illettrés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un jeune homme, par exemple, a un diplôme de sciences politiques ou un diplôme de droit, l'université de Yaoundé, l'université de Douala, tout ce que vous voulez. Mais il est ignorant sur les systèmes politiques qui ont géré le Cameroun avant la colonisation. Ça veut dire quoi? Hein? Il va gérer quoi? C'est-à-dire qu'il va vous donner les modèles qui sont dans ces livres, mais des modèles qui viennent de France. C'est-à-dire, oh, la France a son histoire, c'est-à-dire son évolution. L'Allemagne a son évolution. Quand toi, tu dis que voici mon diplôme de sciences politiques au Cameroun, et tu ne peux rien dire sur le système politique, même si tu es Douala ou Bassa ou Fulbert, tu ne peux rien dire là-dessus. Mais tu es un illettré et tu es un danger pour ton pays. Oui, mais après, vous subodorez, parce que quand on fait des études pareilles, il va sans dire que cet étudiant-là a certainement des connaissances sur le système politique qui ont... Pourquoi est-ce que le français ne sait rien sur nos systèmes politiques et que nos jeunes ici, eux, ils savent tout sur le système politique de la France. Mais on devrait être heureux de cela, de cette richesse culturelle, oui, puisque ça fait un enrichissement. On connaît ce qui s'est passé au Cameroun, c'est ça que vous on avez... connaît ce qui se passe également en France, on est enrichi de tous ces savoirs-là. C'est-à-dire que heureux, c'est si, par exemple, ce monsieur-là, ce juriste ou cet économiste, etc., sait très bien tout ce qui s'est passé chez lui. On et il sait aussi, sait. Mais il ne sait pas. Prenez un économiste. Je donne souvent cet exemple. Oui. Yaoundé, Ngaoundé, tout ce que vous voulez. Un économiste camerounais, il va vous sortir les théories de Keynes, de tous ces gens-là. Merci. Et il ne sait même pas. Il ne sait même pas que quand les Blancs sont venus ici, nous avions notre propre monnaie. Oui. Et qu'un crou camerounais dans cette ville de Douala valait 20 marques allemandes. On ne lui apprendra même pas ça à l'école. Alors, mais il a un diplôme, il est docteur en économie. Et vous croyez qu'un Français qui est docteur en économie ne connaît pas l'évolution de tous les problèmes économiques de son pays? C'est là où je dis qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est valable pour les médecins également. Mais pour tout le monde. Mais un médecin ici, en réalité, on lui apprend ce qu'il faut faire pour prescrire des ordonnances pour qu'on aille acheter ce qui vient de l'extérieur. Mais la médecine, l'Afrique a excellé en médecine. Prenez les plantes médicinales que nous avons ici. J'ai toujours donné cet exemple. Le Cameroun est le pays au monde qui a les trois quarts des plantes médicinales qui existent dans le monde. Il apprend ça quand il fait sa médecine. Ou le pharmacien ici, il apprend ça. Il n'apprend pas. Il apprend ce qu'on fait là-bas. Et c'est alors, ce qu'il fait là-bas, il faut maintenant les machines qui viennent de là-bas pour que ces machines, on ne les fabrique pas. C'est-à-dire que si on ne base pas la science, c'est-à-dire que le savoir d'un pays, l'héritage scientifique d'un pays, si vous ne basez pas ça pour faire tout le reste, vous n'irez nulle part. Et je rappelle qu'en 2011, et c'est scandaleux, 80% des livres scolaires, pour ne pas dire des livres tout court, sont importés. Vous croyez que ces gens-là, ces livres-là, c'est pour vous? Prenez le théorème de Pythagore, n'est-ce pas? Nous tous, on a appris ça à l'école. Le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès, quel mensonge! Est-ce que c'est Thalès, est-ce que c'est Pythagore? Ce sont des gens qui sont venus en Afrique. Dites-nous ça, expliquez-nous ça. Mais oui, ce sont des gens qui sont venus en Afrique et qui ont appris pendant plus de 30 ans, c'est pour certains, qui ont appris, comme nous aujourd'hui, on envoie nos enfants faire les études aux États-Unis, en France, etc. À l'époque, c'est eux qui envoyaient leurs enfants ici. Pythagore et Thalès sont venus ici, ils ont appris des choses que nous, on appliquait depuis 3000 ans. Et maintenant, l'enfant camerounais, lui, il va apprendre que le théorème de Pythagore. Mais quand même, il faut arrêter ces bêtises. Et moi, je le dis en tant qu'homme de science, professeur de rang magistral. Il faut arrêter ça, et urgentement. Alors, aujourd'hui, moi je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez fait, vous, à votre niveau, pour transmettre tout ce que vous savez sur cette
richesses culturelles et scientifiques africaines aux générations qui suivent. Parce que je reviens sur le fait que vous dispensez quand même des cours dans des universités européennes et il ne me semble pas que quand vous arrivez là-bas, vous leur tenez le discours que vous nous tenez ce soir. Moi, comment tu mets mes étudiants à Lyon 2, mes étudiants à l'université de Berlin, bon, Lyon 2, c'est vieux, parce que j'ai quitté Lyon 2 en 1979. Hein, c'est en 1979 que j'ai quitté Lyon 2 pour intégrer l'université de Yaoundé 1. À l'époque, c'était l'université de Yaoundé tout court. Bon, mais j'ai quand même enseigné pendant 10 ans à l'université de Berlin. Mes étudiants à l'université de Berlin, je vous assure, on peut dire que ceux qui ont brillé sont, entre guillemets, plus africains que des Africains, pour rire un peu. Si vous allez sur le site internet d'Afrique à venir d'aujourd'hui, le site d'Internet Afrique à venir, ce sont mes anciens étudiants allemands qui gèrent ce site Internet. Et quand vous allez là-bas, vous ne pouvez pas vous imaginer que ce sont les Blancs qui gèrent un site Internet comme ça. Donc, pour moi, le problème n'est même pas, il ne s'agit pas de l'Afrique en tant que telle. Il s'agit de la vérité scientifique. Et il s'agit, si vous voulez, d'un déclic qu'il faut pour l'humanité. Mais, s'il vous plaît, je crois qu'il y a des choses dont non. Il faut qu'on arrête le mensonge au niveau scientifique. Parce que ce que Paul Mahel dit là, c'est très, très important. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que, bon, disons que cette Terre qui a eu, c'était comme un seul continent, mais qu'il y a 135 000 années, disons, les continents se sont séparés et le continent africain, n'est-ce pas, s'est formé depuis 100 millions d'années. Mais la chose la plus importante est que vraiment, où je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? L'être humain tel que nous sommes là, qu'on appelle le Homo sapiens, existe depuis 150 000 ans. Mais il était noir. Il n'y avait pas de blanc, il n'y avait pas de jaune. Et les blancs, on a commencé à avoir des blancs il y a à peine 22 000 ans. Mais quand un Africain lit sa Bible, il dit que Adam et Ève croient que c'est un blanc, ils voient que c'est un blanc. Oh, l'humanité entière était noire jusqu'à il y a à peine 30 000 ans, 22 000 ans. Mais est-ce qu'on apprend ça? Vous apprenez ça dans vos écoles? Votre problème, c'est quoi? Votre problème avec les races, c'est quoi? Parce que depuis c'est pas un problème de race. Il paraît presque que dans les prochaines années également, l'humanité sera toute bleue. Bleue, je ne sais pas, je ne connais pas cette théorie-là. Mais le problème, c'était le problème des migrations. Oui. Puisque, si vous voulez, c'est l'Afrique qui avait le climat qui permettait à l'être humain d'être vivant. Bon, et dans les autres, c'était les glaces. On ne pouvait pas vivre là-bas. Mmh. Donc, ce n'est pas les migrations que les couleurs de peau ont changé. Bon, il y a des théoriciens, c'est-à-dire, qui travaillent là-dessus. Mon problème n'est pas un problème de race. Mon problème, c'est un problème de falsification de l'histoire. Et que cette falsification de l'histoire est enseignée. Et moi, je dis non. Nos présidents de la République, dans les pays africains, doivent prendre leurs responsabilités. Parce que c'est ce que j'appelle, moi, il faut qu'on arrête le génocide intellectuel. Mais la faute également aux professeurs d'université, parce que si le travail n'est pas bien fait à la base avec les élèves, on suppose quand même qu'à l'université, les anciens de rang magistral comme vous vont procéder à la reconstruction des consciences. Cela pourrait se faire. Est-ce que vous le dites à vos collègues enseignants qu'à l'université, qu'il y ait ce discours et que la reconstruction s'opère? Bon, d'abord, je crois que bon, ce que moi je dis là, je le dis dans mes cours tous les jours, que ce soit à Yaoundé, à Berlin ou n'importe où, parce que, encore une fois, ce n'est pas un problème de l'Afrique, c'est un problème de l'humanité entière, qu'il faut arrêter cette falsification pour qu'on voit comment, c'est-à-dire on peut redémarrer, parce que tout ça, c'est ça qui entraîne aussi le sous-développement. Donc moi je dis qu'au niveau de l'université, c'est vrai, vous avez des conférences, etc., mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas que Cheikh Anta Diop à Dakar ait fait telle ou telle découverte. Ça ne suffit pas que moi ici, il faut que les hommes politiques, les présidents de la République des pays africains prennent conscience que, mais on nous a fourvoyés et que pour un vrai développement, pour qu'on démarre vraiment, il faut d'abord qu'on s'assoie sur notre savoir. Parce que le savoir était africain. Pendant des millénaires, le savoir. Parce que les gens s'arrêtent à l'Égypte ancienne, antique. Mais l'Égypte antique, ce n'est que 5000 ans. Moi, je vous dis, ça fait depuis 150 000 ans que le noir, n'est-ce pas, a fait asseoir son savoir. Bon, je vais vous donner un exemple encore. Excusez-moi, parce qu'il faut être concret dans ces choses-là.
On parle des mathématiques. Hein? Le petit enfant apprend les mathématiques à l'école, etc. Mais ce qu'on appelle l'os du Shango, on a découvert l'os du Shango à côté du lac Albert au Congo démocratique. Un os où il y a 22 000 ans, il y a les formules mathématiques les plus anciennes. Aujourd'hui, vous avez une statue à Bruxelles pour célébrer l'os du Shango. Où est-ce que vous célébrez ça ici au Cameroun? Le savoir africain, où est-ce que vous célébrez ça? Il est urgent qu'on change le cap. Bon, professeur, on va revenir à ce qui fait un peu l'actualité. Voici votre tout dernier livre. On va le tenir. Qui s'appelle 50 ans déjà, quand ce sera enfin votre indépendance là. Est-ce que ce livre, vous le vouliez un peu comme le son de cloche nationaliste, panafricaniste, pendant les célébrations de cinquantenaire? Un son de cloche qu'on n'a pas beaucoup entendu. Hein? Mais ce n'est pas une histoire de son de cloche. Est-ce que vous êtes indépendant? Au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes indépendant? On a célébré les indépendants. On célèbre n'importe quoi. Pourquoi vous n'avez pas dit quand ce sera votre dépendance là? Non, quand ce sera votre indépendance là. Ouais. Ce n'est pas une indépendance. Ouais. Cette indépendance là que De Gaulle a donnée là, ce n'est pas pour ça que les Oumyobé sont morts. Ce n'est pas pour cette indépendance que les Oumyobé sont morts. Ce n'est pas pour cette indépendance que les Wangé ont été pendus. C'est quelle indépendance? La souveraineté des peuples africains. Pour que l'Afrique soit assise sur son savoir. Et pour que les ressources naturelles africaines soient d'abord utilisées par les Africains. Est-ce que c'est une indépendance là? Mais je dis, hein, vous pouvez vraiment déterminer ce que vous voulez faire dans votre pays sans que M. Sarkozy vous dise non, attention là. Il faut arrêter ça. Dans cet ouvrage, vous parlez également de solidarité entre les peuples, entre les nations en Afrique. Est-ce que c'est véritablement possible en Afrique? Bon, moi, j'ai toujours dit ceci. Je pense sincèrement à... Vous voulez que je vous dise quelque chose? Quand j'ai eu 24, le jour où j'ai eu 24 ans, ce que j'ai décidé, moi... Attendez, parce que vraiment... Non, il faut arrêter. Ne vous fâchez pas. Non, je ne me fâche pas, mais on nous a trop tués. Vous voyez, j'ai écrit ça le jour où j'ai eu 24 ans. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Moi, Koumandou, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie à l'âge de 24 ans? Je n'étais pas ici, j'étais à Lyon, en France. Et j'ai dit ceci, parce que vous parlez de l'Afrique. Pour moi, je confonds le sens de ma vie au sort de l'Afrique, à cette personnalité que je voudrais ajouter à l'humanité. J'ai peur que cela ne soit une confusion réelle et peut-être une excuse qui m'éviterait une réflexion profonde. Et pourtant, je ne peux jusqu'à l'heure actuelle attribuer un autre sens à ma vie que celui qui mène à la libération totale de tout le peuple africain, au respect de la dignité de l'homme noir et par tout ce processus à un apport personnel à l'humanité. Et quand je dis libération totale, ça veut dire aussi unité, unification de l'Afrique. C'est pour ça que moi, je lance un appel, encore une fois, au président de la République du Cameroun et au président de la République des autres pays de ce continent. S'il vous plaît, créez un ministère chargé de l'unification de l'Afrique et de l'intégration sous-régionale. Ça veut dire que tout le combat qui est mené dans le cadre aujourd'hui, par exemple l'Union africaine, vous le bottez en touche. Mais l'Union africaine a beaucoup de problèmes. C'est le combat de l'Union africaine. Disons que c'est le combat depuis les pères comme Kwame Nkrumah, Haïlé Selassie d'Éthiopie. C'est ça en réalité, mais nous n'avons pas réussi, vous savez, parce que les autres n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique s'unisse. Ça, soyez-en sûr. Hein? Les autres ne veulent pas que l'Afrique s'unisse. Parce que le jour où l'Afrique va s'unir, nous sommes déjà aujourd'hui, en 2011, nous sommes plus d'un milliard. Imaginez-vous ce milliard d'Africains maintenant avec un gouvernement fédéral ou central. Mais les autres vont encore pouvoir faire comment? Pour pouvoir venir et prendre ce qu'ils veulent quand ils veulent. C'est ça. C'est ça l'enjeu. Et vraiment, moi, Vous observez, comme c'est dans des liens que l'Union africaine montre une vraie réticence à suivre le temps dans son expédition en Libye.
Est-ce que pour vous, c'est un espoir ou alors simplement un syndicat de chefs d'État qui vient au secours de l'un d'entre eux en difficulté? Vous savez, non. Il faut lire l'histoire. En 1884, les Européens se sont réunis à Berlin. En réalité, il s'agissait de quoi? Ils disaient, il fallait que sur le fleuve Congo, on puisse... En réalité, en 1884, ils ont réuni leurs forces pour orienter cette agression contre l'Afrique. Parce qu'ils se sont dit, si chacun va, il va en rang dispersé, ils ne vont jamais maîtriser l'Afrique. Or, ils ont besoin de toutes ces matières premières africaines-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait en Libye? Ce qui est bizarre, c'est que c'est encore à Berlin que l'OTAN s'est réunie pour encore unifier leurs forces, pour agresser. Mais c'est scandaleux. Ils nous parlent de liberté. Vous avez entendu... Depuis quand est-ce que les Européens se sont souciés du sort des Africains pour venir sauver les Africains? Donc, quand il faut que... C'est-à-dire qu'on décrypte le langage. En 1884, ils disaient que c'est pour nous apporter la civilisation. C'est pas ce qu'on disait. Ils nous ont apporté la civilisation jusqu'à aujourd'hui. Ils nous ont déviés de nous-mêmes. Et aujourd'hui, il s'agit de prendre nos ressources, quelles que soient. Et c'est ça qu'on fait en Libye. Il faut absolument qu'ils maîtrisent parce que, vous savez, il faut que les Africains sachent lire ce qui est en train de se passer. Il faut, quand un pays africain est déjà très grand, il faut le fragiliser, il faut essayer de couper. On a vu ce qui s'est passé au Soudan. Le Soudan était trop grand, il fallait couper. Ben, la Libye, maintenant, avec toutes ces richesses-là aussi, il faut déstabiliser. Et c'est pour ça que je dis, quand ce sera enfin votre indépendance-là, et l'union de l'Afrique, c'est une urgence. Si on veut donner une chance à nos enfants, l'unification de l'Afrique est une urgence. Comment peut-on faire pour que cette Afrique s'unisse entièrement? Mais il faut d'abord que le génocide intellectuel et spirituel cesse, parce que on ne nous a pas seulement génocidé au niveau intellectuel mais aussi spirituel. C'est qu'il ne faut pas que vous soyez vous-même. Donc il faut d'abord comprendre cela, n'est-ce pas, que il faut comprendre que, mais en réalité, comment cesser le génocide intellectuel? Est-ce qu'il faudrait revoir les programmes d'enseignement dans les écoles à la base? Est-ce que c'est comme ça qu'on cesse ce génocide? Absolument, il faut revoir ça. Que quand l'enfant voit ce qu'on appelle le théorème de Pythagore ou de Thalès, etc., qu'on enlève d'abord ce nom-là et qu'on mette les noms des vrais inventeurs de ces théorèmes-là. Peut-être également en vulgarisant les langues nationales, parce qu'elles sont vouées au périssement. Mais les langues nationales, c'est l'âme d'un peuple. Oui. Et vous ne pouvez pas vous développer avec l'âme de quelqu'un d'autre. Ça, c'est absolument impossible. Ça veut dire que vous préconisez quoi? Qu'au Cameroun, par exemple, qu'on commence à enseigner les 250 ou 300 langues que nous avons à l'école aux enfants. Ça, comment est-ce qu'on va faire pour choisir l'une de ces langues et qu'elle devienne la langue que tout le monde va étudier? Ninde Douala ou Nyangi Télévision et Mabaï, ce n'est pas mieux dire Douala. Ninde Douala. Parce que nous nous adressons à un public relativement large, qui n'est pas constitué que des gens originaires des berges du Vouri. Je dis, est-ce que en France, vous croyez que le français qu'on parle là aujourd'hui, c'est ça qu'on parlait en France? C'est pas ça qu'on parlait en France. Il a fallu que des gens comme Napoléon prennent une décision que c'est ce français-là que tout le monde va parler. C'est ce qui s'est passé. Quand vous prenez la langue allemande qu'on parle aujourd'hui, est-ce que c'est ça qu'on parlait? C'est pas ça. Comment qu'elles sont africaines, la langue qu'on va changer? Mais ce sont des processus politiques, il faut des volontés politiques et des décisions politiques. Moi, je ne dis pas qu'au Cameroun, il faut seulement parler une langue. Nous sommes riches. Et quand on a une richesse, il faut utiliser cette richesse-là. Moi, quand j'étais enfant, j'ai vu que quand des Douala allaient à Ebolova, parce qu'ils étaient affectés là-bas, après 1, 2, 3 ans, les enfants revenaient et parlaient déjà Boulou. Oui. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas possible? Ce n'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, on a institutionnalisé une espèce d'unification qu'il faut seulement. C'est la pauvre. C'est quand vous parlez une seule langue, vous êtes pauvre. Parlez deux, trois. Moi, je parle allemand, j'écris. Vous voyez, non, j'écris le livre en allemand, en français, en anglais, en douala. Je suis riche. Mais vous voulez que ce soit une seule langue? Pourquoi vous ne le faites pas en Mondjoumba, par exemple? Mais parce que l'infrastructure ici ne nous le permet pas. Oh, c'est ça qu'il faut. Mais c'est quand même une question de volonté. Est-ce que vous avez la volonté déjà? Moi, comment Doumbé? Oui. Oh là là, j'ai cette volonté. Et c'est pour ça que j'ai fondé Afrique à venir. Et quand vous... Je me rappelle encore, en 1980, et Stéphane Tchakam était là, en 1997, la Fondation Afrique à venir a organisé un concours de langues.
Et il y a, nous avons invité plusieurs lycées. Il y a 15 lycées avec 1500 élèves qui ont participé à ce concours. Et chaque enfant faisait le concours dans sa langue. Tu es Fulbe, tu faisais le concours en Fulbe. Tu es Menjumba, tu es Chang, tu faisais ton concours en Yemba. Nous l'avons fait. Bon, mais moi, avec mes petits moyens de bord. Et vous savez qui m'avait aidé pour faire ça? Non. Le ministère de l'éducation de l'Autriche à Vienne. Voilà. Et non pas du Cameroun. Nous parlerons de votre fondation Afrique à venir dans la deuxième partie de l'émission. On va marquer juste un temps d'arrêt, c'est le premier arrêt de l'émission. Je voudrais juste qu'on appuie complètement la question que vous a posée Stéphane tout à l'heure, oui. Celle de savoir où était le problème au niveau de l'unité de l'Afrique qui semblait être votre que vous prenez comme étant la solution à tous les maux du continent. Non, pas le problème. Vous semblez dire que l'Afrique ne parvient pas à s'unir parce que justement les puissances occidentales s'y opposent. Est-ce que vous ne pensez pas que justement c'est un problème des chefs d'État et gouvernants africains eux-mêmes d'abord? Les deux problèmes sont liés. Parce que quand en 1960, nous avons eu cette pseudo-indépendance, où j'ai dit qu'il faut arrêter cette indépendance-là, nos chefs d'État, qui les a mis au pouvoir? Il faut qu'on se parle, qu'on se regarde dans les yeux. Qui les a mis au pouvoir? C'est le peuple africain. Dans la plupart des cas, et c'est là où le problème de l'Afrique a commencé. Et moi, dans mon livre qu'il a montré, que vous avez montré là, 50 ans déjà, je raconte ce que j'ai vécu comme petit élève à Munich. Quand en 1963, j'ai vu, enfin, à l'eau, il fallait donc aller à Addis Abeba là. Les pays francophones, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont d'abord partis à Paris. Et j'ai vu, ils ont fait une grande photo, De Gaulle était au milieu. C'est après qu'ils sont allés à Addis Abeba. Et quand ils sont rentrés, au lieu de rentrer à Yaoundé ou à Dakar, ils sont encore allés d'abord à Paris. C'est là que il y a eu l'échec. C'est là où on a tué cet élan de l'unification de l'Afrique. Donc, mais aujourd'hui, nous sommes en 2011. Je crois que même nos chefs d'État ont compris. Donc, je crois que eux-mêmes, ils ont un cœur qui bat quand même pour leur pays. Et il faudrait qu'ensemble, eux et nous ensemble, on puisse tout faire pour que nos pays soient nos pays et qu'on puisse s'unir. Parce que si on n'est pas unis, vous pouvez faire quoi contre l'Union européenne ou bien contre les États-Unis, vous le Cameroun ou vous le Gabon? Vous pouvez faire quoi? Voilà, c'est sur ce que nous allons mettre un terme à la première partie de cette émission. On va donc retrouver tout de suite le premier arrêt, c'est la rubrique Mes préférences qui sera conduite, comme tous les dimanches, bien sûr, par Miss Toulou Elanga. On se retrouve dans quelques secondes. Bonsoir Cathy. Bonsoir Paul. Vous allez bien? Très bien, merci. Je suis fort aise de vous retrouver. Moi également. Vous avez l'air en pleine forme. Ah oui. Vous avez passé une bonne semaine? Très belle semaine. Très belle semaine. Je vous laisse en compagnie du prince Koumandou. Bonsoir prince. Bonsoir. On vous appelle également Majesté? Non, c'est un abus de langage. Ben si, mais on m'appelle... Les gens sont toujours embarrassés. Même quand comment on doit vous appeler? Majesté, professeur, prince? Je dis, choisissez. Alors, moi je choisis prince. Je voudrais donc vous demander la toute première question. Quelle importance donc accordez-vous à votre statut de prince? On vous appelle de façon solennelle tout le temps. Quelle est la symbolique? Ah, la symbolique? Je ne sais pas, je suis né comme ça. Ça a toujours été comme ça. Vous savez... Le mystère qui entoure cette appellation-là, comment est-ce que vous appréciez ça? Est-ce que c'est un mystère? Pour moi, ce n'est pas un mystère. Vous savez, je m'appelle Koum. C'est ça mon nom. On m'a donné le nom de Kouma Mbappé. C'est-à-dire ceux qui ont quand même à l'école appris le nom de Locke Priso. Locke Priso, c'était le roi qui était à Bonaberry avant que les Blancs ne prennent ce pays. Hein? Et Locke Priso s'appelait Koum. Et moi, on m'a donné son nom. C'est lui qui a mis mon père au monde. Donc, j'ai toujours vécu comme ça. Et même quand j'étais enfant, on me disait toujours que tu dois savoir que tu dois être responsable. Tu ne dois pas jouer comme les autres. Et je me rappelle, vous savez, il y a des images qui marquent. Quand on jouait là, au clair de lune, n'est-ce pas, on se roule sur du sable, etc. Parfois, brusquement, moi, on venait monter, on dit, bon, mais là, le jeu, c'est fini. Toi, tu viens t'asseoir là. Il y avait des palabres, etc. Donc, j'ai toujours vécu comme ça. Il n'y a pas de mystère.
D'accord, vous êtes parti du Cameroun à l'âge de 15 ans pour poursuivre vos études. Déjà, quelles sont les raisons? Je ne sais pas, vous savez, quand vous parlez de mystère, mon père m'avait toujours dit, quand il était vivant, que je vais aller faire mes études en Allemagne. Or, mon père, lui, il est mort en 57. Bon, mais je ne sais pas comment les choses se sont passées. Il y avait le père Kangé Etienne, un Dominicain. Grâce à lui, au père, à l'abbé Kangé, l'abbé Kangé Fabien à l'époque, c'est grâce à eux qu'en 1961, je suis parti en Allemagne. Et je suis parti en Allemagne dans une famille qui est restée ma famille jusqu'à aujourd'hui, où j'ai eu un père allemand et une mère allemande, avec une sœur et un frère. Et nous sommes liés jusqu'à aujourd'hui, depuis 1961. Alors, et malgré tout ce temps que vous avez passé en Allemagne, est-ce que vous avez maintenu vos attributs de prince? Mais vous savez, même les Allemands connaissent notre histoire, eux plus que même tout le monde. Et c'est même en Allemagne que j'ai découvert qui était mon grand-père, Kouman Bappé, que j'ai découvert qui était Douala Mangabel. C'est là-bas que j'ai découvert dans les documents. Mais tout ça, ce n'est pas important. L'important, c'est la personne. Est-ce que vous restez attaché à vos traditions? Mais sans la tradition, tu n'es rien. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas moderne. Mais même là-bas, même chez les Européens, ils ont leur tradition et ils veillent. Et ils veillent sur leur tradition. C'est ça que je ne comprends pas. Quand les Africains, après, ont un certain complexe là, que pourquoi la tradition, il faut réunir ça. Quand vous allez chez les autres, ils gardent leur tradition. Mais en même temps, ils avancent dans le modernisme. Et je crois que pour être à l'aise, et moi je suis à l'aise, je suis dans ma tradition et je suis dans le modernisme. Donc c'est ça que je dis aux Camerounais, mais ne perdez pas vos traditions, sinon vous êtes fini. Alors Prince Kouman Doumbé, je suppose que vous avez des enfants. 9. Voilà. Je n'ai pas dormi, vous voyez. Pas du tout. En ce qui concerne leur éducation, qu'est-ce qui reste fondamental selon vous? L'intégrité. Être intègre. C'est-à-dire être soi-même et respecter fondamentalement les autres. C'est ça que j'ai essayé de donner à mes enfants. Mais surtout aussi, je leur ai toujours dit, Ndolo, Dia son tanele, na dia kotonele. C'est ça toujours que j'ai dit à mes enfants. C'est-à-dire avoir l'amour, se comprendre et s'entraider. C'est ça que j'ai essayé de leur donner et je pense qu'ils sont en train de gérer. Et en 40 ans de publication internationale, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, je veux dire? Bon, ce qui m'a le plus marqué, c'est que quand je publie un livre, les Européens, très souvent, ils prennent ça. Je parlais beaucoup plus des Africains. Mais justement, mais l'Africain ne sait même pas que ça existe. Et tout ce que je publie, je dis, mais pour qui est-ce que je publie? Bon, mes amis allemands me disent, mais attention, tu ne publies pas seulement pour les Africains. C'est le destin. Toi, tu es en train de travailler pour le destin commun de l'humanité. Mais je leur dis, oui, mais je veux que les miens. Mais ici, on ne veut même pas lire. Tu vas acheter une bouteille de whisky à 8000 francs, mais tu vas dire qu'un livre là est trop cher, qui coûte 7000 francs. Et c'est ça le drame. Et je crois qu'il faut qu'on parle sérieusement aux Africains que vous êtes en train de perdre tout parce que vous refusez de lire. Bon, mais en tout cas, moi je dis que par la grâce de Dieu, c'est Dieu qui m'a donné cette chance. C'est Dieu qui me donne l'intelligence. J'ai fait ma part. Et cette part-là, bon, ça va rester. Donc, le jour où ça va basculer, les Africains vont utiliser. Alors, pour terminer avec vous, vous semblez faire la promotion des langues locales camerounaises en dehors du Douala. Vous vous exprimez en quelle langue? Moi, je sais seulement, je m'exprime seulement en pidgin. Je ne m'exprime pas encore en boulou, en foufoulé. Je suppose mais, que vous êtes à l'école. Oui, en tout cas, ce n'est pas fini. Hein. Ce n'est pas fini. J'ai publié dernièrement un livre, Jekyll Njamba Inono. Ça, c'est l'épopée des peuples Sawa. Et dans ce livre, il y a une traduction en français
je n'ai pas apporté ça ici. Et il y a une traduction en Ewondo. Parce que je voudrais qu'un conte Douala, on puisse le traduire en Ewondo. Un conte Fufulde, on puisse le traduire en Menjumba. C'est là que nous allons avancer. Parce que le gars américain qui va lire le conte qui est écrit en Fufulde, il va se reconnaître là-dedans. Plus que dans Blanche-Neige. Prince Koumandoumbé, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci Cathy, merci infiniment. C'est presque didactique cette émission finalement. On n'arrête pas d'apprendre. Merci à vous Cathy, bonne semaine. Et on se retrouvera dimanche prochain. D'accord. Allez. On revient à nos moutons, Prince. Et comme je le disais, on va un peu parler de votre fondation Afrique à venir, qui justement semble œuvrer pour la promotion des langues nationales et des traditions de notre pays. D'où vous est partie l'idée et qu'est-ce qui vous a semblé être le point, le déclic pour la création de cette fondation? Or, nous avons commencé à publier les livres dans la fondation en 1985. J'étais à l'époque des poètes et des écrivains du Cameroun, APEC. Et on avait un problème. Quand j'ai été président, c'était sur le président Amadou Ahidjo, que moi j'étais président de l'APEC. C'était pas facile. Parce que quand un écrivain avait écrit un livre, il fallait que ce livre aille d'abord à la censure, à l'administration territoriale, avant que l'éditeur ne puisse l'éditer. Et ça pouvait durer 2 ou 3 ans, que ça rentre de l'administration territoriale. Clé peut vous en dire quelque chose, parce que c'est Clé qui avait comme maison d'édition à l'époque. Alors, moi j'avais un problème. C'est que moi, je demandais au président Ahidjo qu'il faut lever la censure. Je lui écrivais des lettres. Vous savez, c'était pas facile, hein, à l'époque d'Ahidjo. Je lui écrivais, non, il faut enlever la censure. Mais ça n'a pas changé. Deuxièmement, on a créé la SOPECAM. Bon. Mais ça n'avait pas changé, la SOPECAM avec l'infrastructure moderne, c'est-à-dire pour imprimer les livres, etc. Mais là aussi, il y avait cette censure. Alors, je me suis dit, non, il nous faut un espace de liberté aux écrivains. Bon, d'autre part, lorsque nous voulions nous réunir pour faire des soirées, des conférences, etc., il fallait négocier avec le ministre de l'Information et de la Culture, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça à l'époque, ministre de l'Information et de la Culture, pour obtenir une salle. Bon. Et vous savez, je me rappelle encore ces réunions entre le ministre avec son cabinet et nous, le comité directeur de l'APEC. Souvent, en gros, le ministre nous disait ceci, mais vous ne comprenez pas la politique. Si vous voulez qu'on vous donne des subventions, il faut louer le chef de l'État dans les journaux. Et moi, je disais au ministre, ce n'est pas à l'Association nationale des poètes et des écrivains du Cameroun de dire aux écrivains de le faire. Si un écrivain trouve de la sympathie pour le chef de l'État, c'est-à-dire, sans qu'on le lui demande, lui-même, il va écrire. Mais l'APEC ne peut pas. Alors, il nous disait pratiquement, tous ces ministres-là, que nous, on ne comprend pas la politique. Mais on disait que, mais, donc, vous avez dit, pourquoi est-ce que j'ai créé la fondation? Alors, j'en ai eu ras-le-bol de tout ça. J'ai dit, bon, il faut que je crée quelque chose où ceux qui pensent, qui croient que la pensée, c'est quelque chose de fondamental, peuvent venir s'exprimer librement. Alors, je n'avais pas d'argent. Les banques ne voulaient pas me donner l'argent. J'ai mis mon patrimoine en jeu. Sur mon terrain de Prince, j'ai enlevé 2000 mètres carrés ici à Douala. Et j'ai dit, ça va être pour la fondation Afrique à venir. Et c'est, j'ai marché, je me rappelle, en 1985-86 avec 2 pantalons. Je marchais avec 2 pantalons parce qu'il fallait, je voulais absolument construire ce bâtiment. Ce bâtiment, quand vous venez aujourd'hui, vous voyez ça, c'est ça l'histoire de la Fondation Afrique à venir. Non, Prince, moi oui. J'essaie de lire les missions de la Fondation Afrique à venir. Vous dites que vous promouvez les projets de développement venus de l'intérieur du Cameroun, oui. Mais également chercher à restaurer une conscience, une fierté culturelle et africaine. Dites-nous, comment est-ce que vous allez faire? Est-ce que c'est en écrivant tous les livres? Vous avez écrit près de 60 livres, oui. Mais rien n'a changé.
Comment est-ce que vous avez fait pour changer véritablement les choses? Écoutez. Parce qu'il n'y a pas encore cette conscience-là. Non. Vous-même, vous l'avez reconnu. Non, mais il faut d'abord commencer. Comment est-ce que vous avez fait? C'est ça ici. Il y a 100, 100, le professeur Pondy a compté l'autre jour. Il y a 175 publications au niveau international. Bon, c'est déjà un acquis. Oui. Ça, ça existe. Et les publications, ça ne veut pas dire que c'est tout ce que j'ai écrit. Hein, parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore publiées. Mais là, il y en a 175. Bon, dans ces 175, il y a peut-être 40 livres là-dedans. Vous ne pouvez pas dire que rien n'a changé parce que ça, ça existe déjà. Et je suis un citoyen camerounais. J'existe au Cameroun et je vis au Cameroun. C'est déjà ça. Il y a la Fondation Afrique Avenir qui existe. Bon, comment vous dites que rien n'a changé? Les choses ne vont pas changer du jour au lendemain. Il faut une prise de conscience. Et ce que nous sommes en train de... Cette émission, si j'ai accepté de venir, parce que j'avais dit à Duval Fangoua, il y a un mois, pardon, laissez-moi tranquille avec ces interviews, c'est déjà trop. Bon, mais si je suis venu, c'est parce que je me dis que le peuple va prendre conscience qu'il y a quelque chose... Nous avons les richesses que Dieu nous a données. Les richesses là sont réelles, elles existent. Il faut seulement qu'on se dise que stop. Il ne faut plus que les autres viennent prendre les richesses que Dieu nous a données pour emmener chez eux. Il faut que nous-mêmes on puisse utiliser. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas coopérer avec les autres. Non, il ne faut pas dire que non. Il ne faut pas dire que les choses n'ont pas changé. Aujourd'hui, est-ce qu'on est dans un pays où les gens ne lisent pas? Oui, mais ça, ça va venir. Oui. Et ça, ça va venir. Aujourd'hui, je ne dois plus envoyer mon livre à l'administration territoriale pour que je puisse l'imprimer. Donc les choses évoluent. Et en plus, Prince Koumane Doumbé III, on est en Afrique, on sait bien évidemment que c'est la tradition de l'oralité, c'est pas la tradition de l'écrit. Ça, c'est les autres qui nous ont dit ça. Ça, c'est le mensonge. La tradition de l'écrit... C'est dans les contes. Non, ça, c'est depuis la colonisation que nous avons ce problème, parce que l'écrit est dans une langue qui n'est pas la nôtre. Prenez la France, qui est un pays développé aujourd'hui. Et imposer aux Français maintenant que c'est le chinois qu'ils doivent utiliser dans tous leurs écrits. Vous allez voir comment ces Français vont devenir des illettrés très rapidement. Et c'est ce qui nous est arrivé. Donc on arrête de dire que nous ne sommes pas les peuples de l'écrit. C'est nous qui avons inventé l'écriture. Ce que je voudrais dire, Prince Koumane Doumbé III, c'est que quand on regarde un peu la Côte d'Ivoire, prenons la Côte d'Ivoire, on sait bien évidemment que les étudiants ivoiriens sont engagés parce que justement en Côte d'Ivoire, il y a ces palabres, ces discussions sur l'arbre, ils discutent. Et c'est comme ça qu'il y a eu cette sorte de conscience en Côte d'Ivoire au niveau des étudiants. Ce n'est pas à travers les écrits, ce n'est pas à travers les livres. Est-ce qu'une... Aujourd'hui, il ne faut pas repenser votre stratégie pour conscientiser le Cameroun. Mais je vous ai dit, je crois que Stéphane Chacam est là. Et je me rappelle que Stéphane Chacam a couvert plusieurs événements à Afrique Avenir. Et si j'ai fondé Afrique Avenir, c'est parce que nous avons des forums de dialogue à Afrique Avenir. Nous avons des danses à Afrique Avenir. Nous avons tellement... Ce n'est pas seulement le livre, mais le livre est fondamental. Mais pourquoi n'allez-vous pas à l'université à Douala, par exemple? Vous êtes à l'université Yaoundé 1, vous prenez beaucoup de temps à aller à Berlin. Pourquoi vous ne venez pas à l'université de Douala qui est proche de vous? Oui. Et bien évidemment pour conscientiser les étudiants qui sont des masses importantes. Quand est-ce que vous dispensez des cours à l'université de Douala? Quand vous arrivez dans une université, c'est qu'on vous a invité. On ne m'a jamais invité à l'université. Vous pouvez demander une invitation On ne m'a jamais invité. J'habite Douala. Je suis un prince bel et bel à Douala. J'enseigne dans plusieurs universités dans le monde. J'enseigne à Yaoundé 1 depuis 1979. Je n'ai jamais reçu une invitation pour venir donner un cours ou une conférence à l'université de Douala. Comment voulez-vous que j'y aille? Que je vienne comme ça, que je suis venu faire une conférence? Non. Vous pouvez initier, Prince Koumane Doumbé III. Est-ce que vous avez initié? Je suis en train de dire ça, c'est public ce que je suis en train de dire, non? Oui. Et vous croyez que pourquoi je vais à Berlin, je vais à gauche et à droite Mais derrière, et pour cause de Stéphane Chacab, j'ai l'impression que vous avez un problème particulier. Je n'ai aucun problème. Donc, si on m'invite demain matin, vous allez voir que je vais aller là-bas et je vais faire ma conférence. C'est sûr que le professeur ne nous le dira pas comme ça, mais vous le savez aussi bien que nous, professeur, vous avez une réputation de dissident dans notre pays. Dissident par rapport à qui et par rapport à quoi? Je suis pour l'Afrique. Je suis pour le développement de l'Afrique. Je suis pour une Afrique debout. Ceux qui ne sont pas pour une Afrique debout, c'est leur problème. Moi, j'avance. Donc, vous viendrez à l'université de Douala? J'ai dit que même si c'est demain matin qu'on donne une invitation, je vais venir. Vous ne pas, Prince Koumane Doumbé III. Et je vais vous raconter une histoire. Oui. Cheikh Anta Diop, je crois que tout le monde connaît Cheikh Anta Diop. Est-ce que vous savez que
Cheikh Anta Diop n'avait pas le droit d'enseigner à l'université de Dakar. Et le jour où j'ai rendu visite à Cheikh Anta Diop, dans son laboratoire, Senghor n'était plus au pouvoir, parce que c'est Senghor qui avait donné cette interdiction. C'était déjà Abdou Diouf. Donc on avait dit, c'était déjà, l'atmosphère avait changé. Et c'est là où Cheikh me dit, tu sais, moi, je suis dans mon laboratoire ici, les gens viennent du monde entier. Je fais mes séminaires ici. D'abord, j'ai refusé d'aller enseigner aux États-Unis, en Europe, etc. Je reste ici à Dakar. Il me dit, tu sais, les petits au département d'histoire, ils me demandent de leur écrire une lettre pour que je vienne enseigner là-bas. Est-ce que c'est Cheikh qui devait écrire, faire une demande? Non, enfin. Non, mais sauf que... Bon, donc ce que je veux dire, oui. Ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que je dois... Bon, moi d'abord, je vais prendre ma retraite cette année à l'université de Yaoundé. À qui je dois écrire? À l'université de Douala? On peut supposer que les autres sont inconscients et c'est à vous d'éveiller leur conscience en faisant peut-être la démarche inverse. Moi, je ne sais pas à qui je dois écrire parce que d'abord, j'ai une habilitation en sciences politiques. Est-ce que c'est là-bas qu'il faut écrire? Et je suis un professeur aussi d'études germaniques. Est-ce que c'est là-bas qu'il faut écrire? Non, le problème n'est pas là. Est-ce que c'est toutes les autres universités dans le monde qui m'invitent? C'est parce qu'ils se disent que il y a... Comment est-ce qu'on travaille avec l'Autriche? Je vous ai dit que c'est l'Autriche qui a financé le concours des langues là, en 1997. Un jour, je leur demande, mais comment vous me connaissez, même vous m'invitez tout le temps? Non, la femme là me dit non. J'avais un profil de gens que je cherchais. J'ai cherché sur Internet. Je vous ai trouvé et puis c'est comme ça qu'on vous a invité. Est-ce que l'université de Douala a besoin d'aller chercher sur Internet pour savoir que Koumandou Doumbé 3 existe à Douala? Professeur, est-ce que depuis le temps, la fondation a été soutenue d'une manière ou d'une autre par les pouvoirs publics, subventions, etc. jusqu'ici? Quelle subvention? Afrique à venir? Oui. Demandez si le ministre de la Culture a envoyé déjà quelqu'un un jour, depuis 26 ans, ou le ministre de l'Éducation, depuis 26 ans. Non, je crois que, moi je ne sais pas, vous avez dit dissident, moi je ne suis pas un dissident. Il faut je ne suis pas un dissident, je suis un patriote. J'aime l'Afrique, j'aime le Cameroun, et je dis encore haut et fort que je n'ai pas un autre passeport. Ma fille m'appelle nos passeports les passeports ndolais. Ndolais, vous savez, le ndolais est à la couleur verte. Elle est au Cameroun, votre fille? Celle-là, elle est au Canada. Elle dit, papa, le passeport ndolais, là, nous pose trop de problèmes. Parce que quand ils doivent voyager, etc., mais ils ont le... J'aime ce pays, donc je ne suis pas un dissident. Les dissidents, c'est ceux qui n'aiment pas ce pays et qui regardent d'abord leur avantage personnel. Nous avons une urgence. Il faut développer ce pays. Il faut que ce pays aille de l'avant. Bon, donc, moi je n'ai jamais eu de subvention, hein. Pour répondre à votre question, depuis 26 ans, nous n'avons jamais eu de subvention. Mais par la grâce de Dieu et par l'effort quotidien, Afrique à venir est toujours ouverte tous les jours. C'est une grâce. Voilà, Prince, comment nous mettrons, on va marquer le deuxième arrêt de cette émission. Il nous reste très peu de temps, ça fera prendre beaucoup de plaisir à vous écouter. Du coup, on ne voit pas le temps passer. Le deuxième arrêt, c'est bien sûr le duel qui va opposer dans quelques instants, pendant 5 minutes, le Prince Koumandou Doumbé 3 à l'un de mes confrères sur ce plateau. On se retrouve juste après ça. Le principe du duel Prince Koumandou Doumbé, c'est que vous tiriez au sort lequel de ces deux journalistes aura affronté pendant 5 minutes. On espère que vos gris-gris de prince vont... Vous ouvrez vous-même le bulletin. Ah bon, j'ouvre moi-même. Oui. Les gris-gris de prince. Oui, on sait que les princes, ils ont toujours quelques petits des décors, c'est des... Non. Ce qu'il y a, il faut comprendre. Il y a l'univers avec... Donc, vous n'avez aucun gris-gris? Gris-gris, ça veut dire quoi? Je dis qu'il y a les forces dans l'univers. Par exemple, vous traînez votre canne... en ébène partout Non, pourquoi partout? Ça fait partie de moi-même. D'accord. Ça fait partie de moi-même. Il n'y a aucun risque si je la touche. Ce n'est si pas je... pour vous. Alors, qu'est-ce que je vous voulez dire? C'est Stéphane Tchakam. Stéphane Tchakam, voilà. Oui. Vous vérifiez que c'est le nom de Blando Tchatcha qui est sur l'autre bulletin. Parce que oui. Oui, Blando Tchatcha. Voilà. Oui. Mesdames et messieurs, je vous invite donc à suivre très attentivement pendant 5 minutes le duel qui va opposer Stéphane Tchakam, grand reporter au journal de jour, au Prince Koumandou Doumbé 3. Messieurs, vous avez 5 minutes. Professeur, je suis très, très, très content d'avoir été désigné par le tir au sort.
Au départ, vous avez dit que vous aborderez toutes les questions. Vous êtes le petit-fils de Lok Priso, Koumane Bappé. Vous aurez dû devenir le chef des Bélé Bélé, l'une des chefferies les plus importantes de Douala. Et vous n'êtes pas devenu le chef des Bélé Bélé. Que s'est-il passé? Bon, d'abord, je suis le prince Bélé Bélé. Un décret ne peut pas changer cela. Je suis né prince héritier. Et ce prince héritier a été consacré par les rites le 5 avril 1981 et par d'autres rites encore en 1994. Bon, maintenant, on peut faire tous vos décrets que vous voulez. Nous connaissons ça depuis la colonisation. Vous savez, quand ici, et pas seulement au Cameroun, mais dans les pays africains, quand la colonisation est venue et que les chefs disaient non à quelque chose, soit on les enlevait, soit on les envoyait en exil, soit on les tuait. Nous connaissons cela. Par la grâce de Dieu, moi, je suis vivant. Et vous voulez dire que le gouvernement ne m'a pas... il n'y a pas eu le décret. Mon nom n'est pas sorti dans le décret. Bon, mais je crois que pour être... je ne suis pas un opposant. Je crois que je vous ai dit ça tout à l'heure. Je suis un patriote. Mais quand il y a multipartisme, un chef doit être au-dessus de tous les partis. Au-dessus. Il ne peut pas être partisan. Quand il y a le parti unique, comme au temps d'Aïdjo, il y avait un seul parti, c'était l'UC et l'UNC. Mais après, on a le multipartisme. Toi, maintenant, tu es dans tel... Tu dois être dans le RDPC. Et quand le RDPC va perdre le pouvoir, parce que ça, c'est quelque chose de naturel dans la vie, tu vas maintenant changer de parti pour être dans le parti qui est au pouvoir. Moi, je pense qu'il y a des choses... Il ne faut pas se mélanger les pédales. La politique, c'est-à-dire gouvernementale, c'est une chose. Mais le fauteuil royal, il est là pour, si vous voulez, sauvegarder l'âme du peuple. Et tu ne peux pas être assis sur ce trône. Et moi, je suis assis sur le trône de Koumane Bappé tous les matins. Parce que le trône de Koumane Bappé existe. Ce trône-là, réel, il existe. Et je m'y assois tous les matins. Ce n'est pas un décret qui peut faire que quelqu'un va s'asseoir sur ce trône-là. Dites-nous, professeur, est-ce que la collusion entre chefferie traditionnelle et pouvoir politique dans notre pays va finir par tuer, pour ainsi dire, la chefferie traditionnelle? Le danger est grand, mais moi je crois qu'il y a des choses fondamentales. Nous sommes Camerounais et nous allons trouver une solution un jour dans ce pays. Parce que nous ne sommes pas des Américains, des Européens. Même quand tu vis aux États-Unis, le jour où tu vas mourir, on t'amène au village, là où il y a la terre de tes ancêtres. Et là, ce n'est plus le décret. Hein. Là, ce n'est plus le décret qui compte. Ce qui va compter là, c'est tout ce qu'il y a dans ses racines profondes. C'est pour ça que de Washington, on t'amène là, dans ta terre natale. Je crois que, par la grâce de Dieu, et l'amour que nous avons tous pour ce pays, nous allons pouvoir trouver des solutions. Dites-moi un peu, professeur, pourquoi est-ce que le gouvernement de notre pays ne prend-il pas à son compte la restitution de la propre princière de Lok Priso, Tangabolo, comme on dit ici, la restitution de cette propre princière dérobée par les Allemands en 1884? On peut avoir le sentiment que vous en avez fait une affaire trop personnelle, finalement. Or, il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser. Moi d'abord, je vous ai dit, c'est en Allemagne que j'ai découvert vraiment beaucoup de choses dans les archives, etc. Puisque c'est eux qui nous ont colonisés les premiers. Bon, la proue princière, c'est ça ici, là. Bon, ah ben oui, c'est ça. C'est-à-dire, cette proue que les Allemands ont dérobée en 1884. Puisque, bon, mon grand-père avait dit que lui ne signe pas le traité de 1884. C'est ça que vous voulez dire. Et quand. Donc, il y a eu une guerre contre Hikoritan, contre Bonaberry, et c'est là où les Allemands ont donc dérobé cette proue, et elle est aujourd'hui à Munich.
il y a 75 organisations allemandes qui sont avec moi pour que ce tangue rentre au Cameroun. Bon, moi j'espère que le président de la République et le ministre des Relations extérieures pourront nous aider, parce que c'est maintenant quand même une histoire qui dépasse déjà ma personne. Bien sûr, c'est le tangue de mon grand-père, mais c'est déjà un symbole. Il faut qu'on nous restitue ce qu'on nous a pris. Et vous savez, un jour, j'étais à Berlin, au musée ethnologique. Il y avait 3 étages d'objets d'art du Cameroun. C'est exagéré. C'est un pillage. Il faut qu'on nous restitue notre âme. Et j'espère que le président de la République et le ministre des Affaires extérieures et le ministre de la Culture, qu'ils vont quand même être sensibilisés à cette action-là, pour que nous puissions récupérer ce qui nous revient. Dites-nous, professeur, qu'est-ce qui, à l'époque, vous a amené au SDF? Ah! Bon, j'ai d'abord été... Vous voyez, je soupçonnais vos questions. Vous voyez ici le congrès du renouveau de Bamenda, n'est-ce pas? Et Paul Mahel à côté de moi, il verra bien ici. Vous voyez mon nom là? Secrétariat permanent du Congrès. C'est nous qui avons créé le RDPC. Vous voyez bien mon nom? Parce que j'avais... Avant, moi, les partis politiques, l'UNC, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Mais quand le président Paul Biya est venu, il a apporté un langage différent, nouveau. Rigueur et moralisation. Vous voyez ici, je vous ai encore apporté. Ouais, j'ai deviné quel genre de questions que vous allez poser. À son Excellence le président Paul Biya, nous avons amené le président Paul Biya en Banya. Vous avez vu un jour le président Paul Biya en Pagne? En Pagne, absolument, on a vu ça. Le 24 février 1983. Paul Mahel. Ça, c'est le discours sacré qu'on était convenu qu'il fallait lui donner. C'est le nom de qui, Paul Mahel? De votre. Donc, j'étais là à la première heure. Et je vous ai... Vous êtes journaliste, hein? Mais moi, regardez ici. Le pain, vous voyez? Me voici ici. Montrez ça aux spectateurs. Voilà le président Biya en pain. Hein, ça, c'est la Gazette. Et me voici derrière. Et ce que j'ai écrit là-dedans, je peux le redire encore aujourd'hui, en 2011, sans enlever un seul mot. C'est tout ce que je peux dire. Le temps est parti, aux yeux. Et presque, il vous restait une dernière question. Je veux dire, c'est tout ce qu'on peut dire, mais enfin, vous comprendrez que... Non, mais c'est parce que quand vous... Est-ce que c'était encore ça? On a vu l'évolution. Que c'était plus... C'est-à-dire les gens qui avaient donc le pouvoir, ce n'étaient pas les gens qui croyaient à la rigueur et à la moralisation. Ça m'a déçu. Bon, mais le SDF, est-ce que je ne suis même pas resté un an au SDF? Mais on a fait toute une histoire. Siga Asanga, qui était à l'époque secrétaire général du SDF, à l'université de Yaoundé, me dit, mais... Aide-moi là, je suis en train de créer un parti là. Viens m'aider à structurer. Je suis venu là-bas, mais je n'ai pas mis long. Pourquoi? Pourquoi je n'ai même pas mis un an là-bas? Parce que j'ai vu qu'à un moment, effectivement, Frundi avait le vent en poupe, n'est-ce pas, dans les élections de 92 là. Et je vois tous ces gens-là, du RDPC, qui ne croient pas en ce pays, qui viennent prendre une carte du SDF, pendant qu'ils sont dans le RDPC. Et c'est là que j'ai compris que ça, c'est quoi ça? Je me suis retiré. J'ai dit non. Moi, c'est pas ça. Moi, je veux... C'est-à-dire que je ne veux pas ce genre d'amalgame-là. C'est que les mêmes gens qui aujourd'hui chantent bien, si c'est Frundi qui avait gagné les élections, c'est les mêmes gens qui seraient en train de chanter Frundi aujourd'hui. Moi, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est le Cameroun. Il faut que ce pays avance. Et toutes ces histoires de corruption-là, vraiment, pardon, moi, je suis pas là-dedans. Et j'ai quitté le SDF depuis 94, je ne suis pas dans un parti politique. En 94, surtout quand la famille m'a encore
Donc après la mort du chef de l'époque, parce que vous savez, moi j'étais en Europe, je suis rentré de l'Europe seulement en 79. Donc quand en 94, la famille m'a encore fait tous les rituels pour que je m'assoie sur le trône, j'ai dit que moi jamais je ne pourrais plus être dans un parti politique. Parce que ma porte doit être ouverte pour tout le monde. Voilà. Merci Prince, on est arrivé, on s'achemine vers la fin de l'émission, on va y aller au pas de course. On va commencer par cette troisième partie de l'émission avec les contributions de nos téléspectateurs qui ont envoyé quelques SMS avant que mes confrères, chacun ne lance son dernier tir. Bravo pour l'invité, hein. Enfin un invité qui comprend et sait mettre en exergue le problème d'identité. On aimerait en avoir comme ça tous les week-ends, j'aimerais savoir comment faire pour obtenir vos livres. Ah mais nous avons un site internet, www.exchange-dialogue, je ne sais pas si ça peut être affiché, exchange-dialogue.com. Mais sinon les livres dans toutes les librairies à Douala, à Yaoundé, et dans les kiosques, on peut ou alors à la Fondation Afrique à venir. J'aimerais savoir si le prince a aussi changé son prénom sur tous ses papiers officiels. Je n'ai pas touché aux papiers officiels. Mais toutes mes publications, vous verrez toujours comment Doubet 3. Accepteriez-vous un poste ministériel? Si cela peut permettre de nous faire avancer, mais si c'est pour avoir l'argent, ça m'intéresse. Et quel portefeuille vous sierrez? Quel est le portefeuille où vous vous sentiriez le plus à l'aise? Ce n'est pas une histoire de portefeuille, c'est une histoire de gouvernement. Un gouvernement qui veut vraiment un changement fondamental et surtout qui met en exergue l'unification de l'Afrique. Quels sont vos rapports avec la chefferie supérieure du canton Bélé-Bélé? Mais c'est le fils de mon neveu qui est chef donc officiel, et j'ai des rapports tout à fait normaux. À la mort de la princesse Charlotte, je suis allé le voir pour lui dire il n'y aura pas de guerre ici, nous allons travailler la main dans la main. Votre lutte n'est-elle pas vouée à l'échec dans un monde de plus en plus global? Ma lutte n'est pas du tout vouée à l'échec, je ne suis pas seul. Et vous voyez bien ce qui se passe dans le monde entier. Les gens sont en train de se lever pour dire que les choses ne peuvent plus continuer comme ça. Et vous avez vu comment... Ce n'est pas Hugo Chavez qui est venu au Sénégal là pour le Forum social mondial? Bon, donc je pense que non, les choses sont en train d'avancer. On n'est pas seul et les Africains ne sont pas seuls. Sans l'euro, pourrions-nous atteindre la lumière? Sans l'Europe. Pourrions-nous atteindre la lumière? Mais on est dans les ténèbres. Vous nous dites qu'on est dans la lumière. Bonsoir, Prince. Vous pouvez nous aider? Pouvez-vous aider en mettant ces informations sur un site que les jeunes pourraient consulter? Mais nous avons deux sites qui existent. www.afriqueavenir.com. Afrique Avenir avec C, hein, C-A, et non pas Q-U-E. Afrique avec C, afriqueavenir.com. Donc, vous avez tellement d'informations. Et puis, le deuxième site de la maison d'édition, c'est Exchange, c'est-à-dire échange en anglais, www.exchange-dialogue. Voilà. .com. Alors, dernière question. Qu'est-ce que vous avez déjà fait à votre niveau pour tenter d'améliorer le système éducatif camerounais? Mais l'université, j'enseigne pas. Ça fait déjà partie. J'ai formé depuis 1979 des jeunes et qui ont fait des recherches fondamentales ici au Cameroun, et j'en suis très très fier. Le dernier a fait les deux derniers là ont eu mention très bien vraiment dans leur master 2 à l'université de Yaoundé le mois dernier, dont je forme. Mais surtout tous ces livres là vont servir à notre système éducatif. Merci Prince. On va y aller très rapidement avec vos derniers tirs avant d'accueillir Robert Ito dans quelques instants pour la synthèse d'émission parce qu'on s'achemine vers la fin. On va commencer par vous, Blando. Oui, c'est difficile d'avoir une seule question parce que j'en ai encore plusieurs à poser au professeur Commandelet. S'il promet de répondre rapidement, on vous donne... La première, oui, donc je peux poser deux. La première, c'est que je veux dire quand même un certain nombre de contradictions dans votre discours. Et puis vous avez dit que vous n'étiez pas engagé dans la politique parce que quand on est prince, quand on est chef, quand on est roi, c'est pas bon de faire les deux, la politique. La politique partisane. Partisane, bon, si vous voulez. Mais en autre cas, vous avez été dans le RDP, c'est dans le SDF. Mais je veux savoir, en 1992, il me semble, hein, peut-être je me trompe, que vous aviez dit que si le régime ne changeait pas, vous partirez définitivement du Cameroun. Que je partirais définitivement du Cameroun. J'ai dit ça comme... En 1992. Deuxième chose, vous avez animé récemment une conférence. Partir du Cameroun pour aller où? Deuxième question, je voudrais savoir si vous êtes chrétien
Si vous êtes chrétien, quel genre de chrétien vous êtes? Parce que récemment, on a animé une conférence sur le christianisme et Ngondo, cohabitation au rejet, à Jeffrey Bonapriso. Est-ce qu'on peut être chrétien? Est-ce qu'on peut être chrétien et je suis chrétien de l'église évangélique du Cameroun. J'étais même à l'église encore ce matin. Oui. Mais je ne suis pas quelqu'un qui est chrétien, c'est-à-dire en fermant les yeux. Le christianisme existe depuis 2000 ans. L'Afrique, c'est l'Afrique qui a fondé la spiritualité depuis 150 000 ans. Et c'est très important que les Camerounais et les chrétiens le sachent. Et que Jésus-Christ a été initié en Afrique. Il ne faut pas que les gens oublient ça. Il faut que les gens... On aura appris des choses ce soir. Mais oui, Jésus-Christ a été initié en Afrique. Et la Sainte Famille a été jusqu'au lac Tana en Éthiopie. Pourquoi on ne dit pas tout ça aux chrétiens? Pourquoi on ne dit pas aux chrétiens que le livre que Jésus-Christ utilisait, c'était le livre d'Enoch, qu'il a écrit 9000 ans avant Jésus-Christ, et que Enoch était un noir d'Éthiopie? Pourquoi on ne dit pas ça aux chrétiens? Ce que je voulais dire, est-ce donc que je ne suis pas un chrétien, oui, c'est-à-dire illettré. Est-ce qu'on peut pratiquer le culte des crânes, par exemple, et être chrétien? C'est la question. Vous savez, je suis allé un jour en Autriche et j'ai trouvé à côté d'une église catholique toute une maison, il n'y avait que des crânes dedans. J'ai amené ça, c'est à la Fondation Afrique à venir. Où est la contradiction? Chez nous. Stéphane Jacob. Je voudrais savoir quelle est la lecture que vous faites des communautarismes et du tribalisme qui n'en finit pas. Qui n'en finissent pas de monter dans c'est quoi pays. Ça communautarisme? J'ai pas compris. Que les ethnies, que les groupes se replient, semblent se replier sur eux-mêmes. Dans mais ça, pays. C'est la catastrophe. Et ça, ça n'a pas toujours existé comme ça. Moi, j'ai été enfant dans ce pays. C'est-à-dire que j'ai toujours raconté ça. Notre maison à Bonaberry, là, c'était la dernière maison. Il n'y avait plus rien. Donc, ça fait que tous les gens qui venaient, ça dit que c'est d'autres maisons qu'ils voyaient d'abord. Et souvent, les camions tombaient en panne. Vous savez, les camions de Bonaberry étaient un grand port. Hein? Il n'y avait pas encore le pont. Donc, tous ces Bamilékés qui venaient là avec leur camion, c'était notre maison quand ils étaient en panne. Mon père m'a dit toujours, « Ala Gandiababo, miondo na sardine. » C'est-à-dire que quand il n'y avait plus la nourriture, il dit, « Bon, va leur acheter les miondo et la sardine. » Et j'étais toujours en train de dire, « Napula, miondo, la nuit. » C'était tout à fait normal. Le tribalisme dont vous parlez là, ça commence, c'est après les indépendances. Donc ça veut dire qu'il y a eu quelque chose. C'est pour ça que je dis que quand ce sera enfin votre indépendance là, c'est après. Donc votre génération, c'est ça que vous connaissez. C'est pour ça que je dis que quand on envoyait quelqu'un à Ebola, hein, c'est-à-dire les enfants, la femme surtout, très rapidement parlaient pour nous. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Donc ça veut dire que c'est notre système depuis les indépendances qui a un problème. Voilà, merci professeur, merci infiniment. On arrive pratiquement au terme de l'émission. Il nous reste juste une dernière articulation, c'est la synthèse de l'émission avec Robert Itok qui va venir tout à l'heure récapituler donc tout ce que vous avez dit, de revenir sur les points saillants de votre propos. Bon, moi j'aimerais juste sortir par... que vous vous rappeliez, parce qu'il nous est revenu dans les recherches que nous avons faites pendant que nous préparions l'émission, que vous étiez, à l'époque où vous étiez au lycée à Munich, que vous étiez le seul élève noir, le seul noir dans votre lycée. Alors, comment on se sent quand on est le seul noir dans un lycée qui compte 1850 élèves? Oui, il y avait, je crois que c'était 1200 élèves, hein, j'étais le seul noir. Ben, vous savez, je suis allé en Allemagne, je ne parlais pas allemand, je ne savais même pas dire Guten Tag, hein, je ne savais pas dire bonjour. Et j'avais 6 semaines pour apprendre l'allemand et puis aller en classe. Bon, c'était, il fallait tout apprendre, même manger le pain là. Parce que ce n'est pas le pain que je connaissais ici. Mais vous savez, très rapidement, j'ai commencé à faire les conférences de classe en classe. Ce n'est pas moi, c'est le professeur de géographie. Il disait que non, tu dois faire les conférences pour dire à tes... pour dire qu'est-ce que c'est que l'Afrique. Et c'est comme ça que la bibliothèque chez Kanta Diop que vous voyez a commencé. Parce que j'étais obligé d'acheter les livres pour lire à l'âge de 16 ans là, pour lire, pour savoir qu'est-ce que c'est que l'Afrique. Et j'ai commencé. Donc non, j'étais très à l'aise. Et jusqu'aujourd'hui, si... Comment vous regardez vos camarades? J'étais une curiosité, mais je me suis imposé très rapidement par mon travail.
Je me rappelle que 2 ans après, je ne sais pas, Dieu fait ces choses, il y avait un concours européen sur un concours européen, et c'est moi qui ai gagné le concours pour mon école. Voilà. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je pense que nous sommes en très très bonne relation. Vous savez, quand mes camarades de Munich m'appellent, hein, on ne parle même pas allemand au téléphone. Hein. On parle bavarois, le dialecte de la Bavière. C'est impossible qu'on parle allemand au téléphone. Merci, Prince, professeur Kouman Doumbé III. Merci infiniment de vous être prêté au jeu et d'avoir répondu à nos questions. On va donc tout de suite accueillir Robert Itok qui va revenir sur la quintessence du propos de l'invité dans la synthèse. Bonsoir Robert. Bonsoir Paul. Original votre cravate. Ah, merci. Vous avez le don de l'aide initiée, je ne sais pas comment, mais elles ont toujours quelque chose de particulier. Je vous laisse en compagnie du prince Kouman Doumbé. Bonsoir Prince. Bonsoir. On va aller très vite, le temps nous faisait un peu défaut. Ce qu'on retient de cet entretien avec les différents confrères est que l'Européen n'ayant jamais accepté les noms africains, vous refusez de porter le prénom Alexandre. L'accepter, selon vous, serait renier votre identité africaine ou encore vous enlever vos origines. On ne peut s'identifier à la colonisation. Le Cameroun étant multilingue, le système ne l'a pas permis. Vous êtes contraint de dispenser les cours à l'université en langue française. La maîtrise de la langue maternelle, vous pensez, et de son passé est un facteur important et l'ignorer serait perdre son âme. Pour garder et mener à bien la science et l'héritage dans un pays, vous pensez que la connaissance de son histoire, de son passé, dans sa gestion économique, sociale et même politique reste incontournable, et c'est cela la vraie âme d'un peuple. Et pour l'illustrer, vous trouvez qu'il est anormal qu'aujourd'hui 80% des programmes dans nos écoles soient calqués sur le modèle français. Dans les pays africains, vous pensez que la falsification de l'histoire est enseignée. Et il est important que les États africains stoppent net ce génocide intellectuel, ce génocide spirituel et voir comment redémarrer, comment prendre conscience de ce savoir africain pour un meilleur développement. Oumniobé et ses compagnons sont morts pour la souveraineté africaine, pour la maîtrise de ce savoir africain, pour le respect de l'homme noir et non pour l'indépendance telle qu'on nous la présente aujourd'hui. Ainsi, vous proposez au président africain la création d'un ministère de l'unification africaine. Ce ministère, selon vous, est très important parce que l'Européen ne s'est jamais soucié du sort africain. Et pour donner chance aux générations futures, l'unification africaine est une urgence. Culturellement, vous pensez que le Cameroun est très riche. Il faut exploiter cette richesse culturelle. C'est un signe de pauvreté que de parler une seule langue. L'Union des États africains reste un véritable problème suite au cordon qui reste très serré vers les puissances coloniales et rendu en 2011. Il est grand temps pour les chefs d'État de se rendre compte de la réalité, de cette réalité malsaine. S'agissant de votre fondation, Afrique Avenir est la réponse à de multiples difficultés rencontrées par les écrivains s'agissant d'un espace d'expression libre dépourvu de toute contrainte. Depuis 26 ans d'existence, l'Afrique Avenir n'a jamais reçu une subvention du ministère de la Culture camerounais. Pour répondre à ceux qui pensent que vous n'avez pas été adoubé par le gouvernement, vous pensez qu'un chef doit être au-dessus du multipartisme. La politique est une chose, le chef doit rester sur son trône pour sauvegarder l'âme et la tradition, et pour cela, nul n'est besoin d'un décret présidentiel. Aujourd'hui, il est important que les États africains, vous pensez, s'activent afin que l'Europe puisse restituer à l'Afrique son âme qui reste exposée dans ses musées. La rigueur et la moralisation sont deux idéaux que vous avez soutenus dans les années 80, déçus par le système. Vous faites un tour au SIF, puis vous décidez de partir parce que vous pensez lutter pour le Cameroun et non pour un parti politique. L'Afrique étant la mère de la spiritualité et Jésus ayant été initié en Afrique,
vous êtes un chrétien intellectuel avec les yeux ouverts. Vous pensez qu'au Cameroun, le tribalisme naît après les indépendances. Prince Bélé Bélé, vous avez produit une soixantaine d'ouvrages en 40 années de carrière. Vous restez très attaché à la tradition sans pourtant réfuter le modernisme. L'intégrité, le respect d'autrui, l'amour du prochain, se comprendre, s'entraider, sont là quelques valeurs que vous avez inculquées à votre progéniture. Et pour terminer, vous êtes pour l'Afrique, pour le développement de l'Afrique, pour l'Afrique debout, vous ne saurez être un dissident. J'espère que... Est-ce que vous vous retrouvez dans la synthèse de Robert? Félicitations. Félicitations pour cette synthèse. Voilà. Donc, merci Robert. Ben, c'est moi qui te remercie. Félicitations encore pour cette synthèse. Merci. Passez une bonne semaine. Vous aussi. Et retrouvons-nous dimanche prochain. Avec le même plaisir. Avec une autre cravate originale. Prince Koumane Doumbène 3, merci infiniment d'être venu sur ce plateau ce soir. Comme je l'ai dit, l'émission a été plutôt didactique. On a appris beaucoup de choses. Une heure et demie, ce n'est pas suffisant pour faire le tour de tout ce qu'on aurait pu, de tout ce dont nous aurions pu parler avec vous. Mais au moins, on a quand même exploré quelques sentiers de réflexion qui sont assez intéressants, à mon humble avis. Merci infiniment. On souhaite de bien retourner à la chefferie, pas la chefferie, mais à votre domicile. C'est la chefferie, votre domicile. Voilà. Il y a beaucoup de confusion parce que beaucoup de courriers à la chefferie, de toute façon, atterrissent chez moi. Mais j'envoie ça toujours à celui que le gouvernement a nommé. Mais quand il y a les choses sérieuses, de toute façon, je suis toujours là. Non, mais c'est moi qui vous remercie. Ce qu'il faudrait peut-être dire, c'est qu'Afrique Avenue, ce n'est pas seulement ici à Douala. Oui, Afrique Avenue a une succursale à Berlin, à Windhoek, en Namibie, à Vienne et bientôt au Bénin. À Cotonou. À Cotonou. Voilà. Ouais. Merci à vous, chers confrères, d'être venus encore ce soir. On aura, grâce à vous, appris beaucoup de choses. Et vous avez l'impression d'y être parvenu à lui faire dire des choses qu'il n'a pas l'habitude de dire? Enfin, des choses qu'il a l'habitude de dire, mais que notre peuple, si je puis me permettre cette formule un peu, que notre peuple n'a pas souvent l'occasion d'entendre. Et c'est pour cela que cet exercice était intéressant. Et vous avez l'impression d'y être arrivé? Je pense que les téléspectateurs ont au moins appris deux ou trois choses. C'était ça l'objectif pour moi. Voilà, merci infiniment. Merci à vous. L'essentiel, c'est quand même que nous construisons tous pour ce destin commun de l'humanité et que notre peuple sache qu'il n'est pas seul. Voilà, la dernière articulation, la dernière des dernières, c'est que vous allez nous griffonner quelque chose dans dans notre livre d'or. D'accord. Juste le temps pour nous de dire merci aux téléspectateurs qui ont été, on l'espère, nombreux à nous suivre ce soir. On espère également avoir été à la hauteur. On vous retrouvera dimanche prochain avec un nouvel invité, avec deux nouveaux confrères. On vous souhaite de passer une excellente semaine et merci de la confiance que vous nous faites. Merci de rester en compagnie des programmes de Canal International. Bonne soirée à tous.